La hausse et blaye est une ancienne appellation qui existe depuis longtemps dans d'autres régions. On a décidé à plusieurs vignerons de s'en servir un peu comme appellation laboratoire. On en a changé le décret d'application, renforcé la réglementation et on y a mis des règles plus restrictives, donc plus qualitatives. Il faut savoir que c'est un vin rouge qui se situe dans la même aire géographique que le Blaye Côte de Bordeaux, mais le cahier des charges est beaucoup plus strict que le Blaye Côte de Bordeaux. Des rendements faibles, des densités de plantation élevées et des durées d'élevage longues. Souvent, c'est un passage en barrique d'au minimum 12 mois, avec des vins issus de parcelles de faible rendement. Lorsqu'on augmente la densité de plantation et qu'on diminue le rendement, on diminue la quantité de raisin produite par pied. Il faut peu de production par pied pour obtenir un raisin bien mûr. Donc avec un raisin bien mûr, on fait très facilement un bon vin. On y passe du temps, beaucoup d'amour. C'est un peu de la haute couture, je dirais. Dans l'appellation Blaye, c'est essentiellement du Merlot. Mais aujourd'hui, les vignerons essaient de se diversifier en plantant des cépages différents, comme le Malbec, le Cabernet Franc, voire le Petit Verdot. Alors le Malbec, lui, va porter beaucoup de fruits, des épices et de la rondeur. Le Cabernet Franc, beaucoup de fruits frais. Et le Petit Verdot va se caractériser par des couleurs assez intenses et des tanins puissants. Donc l'AOC Blaye, en règle générale, est un vin très soyeux, très fin. Très rond, très sucré, mais avec beaucoup d'ampleur, qui arrive vraiment au fond de la gorge. Le premier aspect, c'est la couleur, où d'entrée ils vont être un petit peu plus sombres. Et ensuite, une richesse tannique. La présence de Malbec vient apporter son caractère poivré épicé au niveau aromatique qui vient donner une originalité à nos vins. Donc on va avoir des vins très concentrés, très riches, qui auront des potentiels de garde très importants. On va dire que sur un Blaye, entre 5 et 10 ans, on a généralement l'apogée. C'est vraiment un extrait de vin. Lors de la dégustation, effectivement, les gens souvent disent « Ah oui, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir des vins aussi complexes ici à Blaye. » On peut se faire plaisir pour les amateurs de viande grillée, tout ce qui est entrecôte, tout ce qui est viande rouge. Hein. C'est quelque chose que l'on peut même presque boire sans rien, tellement c'est bon. C'est un peu le fleuron de l'appellation, la vitrine de l'appellation. Des vins rouges remarquables. Hein. Thank you.